monde, c'est Jack Boubier et on se retrouve sur du SmackDown vs Raw 2010. Quoi qu'en tu es, la suite de nos aventures et qu'on a un coup de téléphone de la musique de Monday Night Raw et qui nous appelle, on va aller voir ça. Je savais que vous adoriez regarder The Teacher et on ne peut pas vous en vouloir, mais je justement un commentaire vous trouble, rencontrons-nous dans le ring pour le débat afin pour une raclette. Une raclette. Non mais lol, il va aller voir pour une raclette, d'accord. Bon bah allons sur le ring, on est à la ECW là, donc allons voir sur le ring. Ah ouais, ces deux là méritent un raclet. Une raclette, ouais, une raclette. J'avais dit raclette, mais c'est une raclette en fait, quelconque. Peu importe que ça vienne de moi ou de Cena, mais Miz et Morrison devraient se bouffer au moins deux finishes. Ok. Alors, on prend Triple H, en gros. On va faire deux finishes avec John Cena et deux finishes avec Triple H. Alors voilà, nous voyons l'entrée de John Morrison et de Miz. Ah ouais, je pense qu'ils sont les deux ensemble qui rentrent. Bonjour de Miz et Morrison. Les champions à l'époque par équipe Tag Team de la WWE, je crois. WWE Tag Team Champion, ils étaient à l'époque. Mais aujourd'hui, bah là, ils sont pas champions. Ils étaient à la ECW. Ils ont de mise à une plus grande carrière que John Morrison. Hein. On voit aujourd'hui, il est encore. Il a été plusieurs fois champion intercontinental, champion du monde, champion des États-Unis, champion par équipe, unifié par équipe, World Tag Team Champion. Morrison, champion intercontinental, champion par équipe aussi. Je crois que c'est tout. Titre intercontinental, il a eu, ouais. Puis je crois que c'est tout. Dommage, John Morrison n'a pas été champion de la WWE. Dommage. Bon, alors apparemment c'est John Cena qui commence. Ok, j'ai la bonne manette, ça va bien. Alors, on va faire deux finishes à The Miz. Ça c'est sûr. Puis deux finishes à Morrison. Comme ça, on prendra Triple H en même temps. Tiens, je vais te calmer. Tiens, prends-toi ça. Et le DT, parfaitement exécuté. On va pas attendre, hein. On va pas s'éterniser dans CECW. Tiens, voilà, prends-toi ça. Et on va faire le Knife Fox Falcon. Ouais, j'arrive jamais à le dire. Le You Can See Me, le Knife Fox Falcon. Falcon. Ouais, bon, j'arrive pas à le dire, ça m'énerve. Et on va se préparer pour le FU. Le FU ou le Antidonab Jump. Et le FU, parfaitement exécuté. Et le 1. Et le premier FU. Bien joué. Hop, on lui fait mal. Bon, on a les deux meilleurs superstars dans ce jeu, Triple H et John Cena. Je pense que John Cena doit être le plus fort dans ce jeu. Peut-être l'Undertaker. C'est possible que l'Undertaker est aussi le plus fort. Allez, on le relève. Tac, on va voir là. Hop, tiens, ce passement. Voilà. Triple H qui se prépare. Tiens, allez. On lui fait quoi? Un. Bien joué, son passement. Bien joué. Allez, on part là. Ah merde. Tiens. Oh, ok. Bon bah, on n'a pas besoin de faire directement. On va faire le FU directement. Et le Latinana Jump. Et le FU ou Latinana Jump, comme vous voulez. Hein, hop, on va ramener ça là-bas. Hop, on va la ramener là-bas. Et on va changer de manette. On change de manette. La deuxième manette est là. Allez, tu vas changer. Bon, coup de genou atomique, hein, si tu veux. Hop, on va ramener là-bas. Je t'ai dit qu'on va le ramener là-bas. Tu vas aller changer avec John Morrison. Je t'exige. Tu vas changer. Change. Voilà, merci. John Morrison, viens vers moi. Tiens, le coup de genou atomique. On se prépare. Tiens, coup de bélier. Hop, et la volée et des coups dans la gueule. Hop, avec Triple H, ça est beaucoup plus rapide. Et encore le coup de genou atomique. Hop, on le relève. Et non, il nous esquive, cet enfoiré. Il nous esquive. Aïe. Tiens, encore coup de genou atomique. Allez. Tiens, prends-toi ça. On se relève. Tiens, le coup de genou atomique. Et le pedigree directement. On n'attend pas. Oh, il esquive, cet enfoiré. Il esquive. Tiens, je te dis le pedigree, hein. Tu vas rester là, hein. Tu vas te calmer tout de suite, hein.
Allez, le pedigree. Pedigree, bien joué. Encore une fois, on n'a plus qu'encore une fois à faire. Et tiens, et le brise nuque. Brise nuque parfaitement exécuté. Tiens, hop, on le ramène. Allez hop, on le fait. Laisse une leg sweep, je crois que c'est ça. Bon, je dis toujours la même chose, je dis toujours les mêmes prises. Et le coup de genou atomique. Et le pedigree. Le pedigree en position, s'il esquive pas, évidemment. Et le pedigree. Allez, tomber direct, vas-y, tomber. Allez, non, vos breaks, dommage, dommage, vos breaks. Tiens, coup de genou atomique, tu vas te calmer tout de suite. Hein. Hop, on le relève. Tiens, hop, on le relève. Tiens, le coup de genou atomique et le pedigree. Le troisième pedigree. Bon, il en a eu trois au moins. Tiens, le pedigree. Tiens, tu vas tomber, merci. Allez, le tomber, le tomber, le tomber, le tomber. Vas-y, y a pas vos breaks. Oh non, putain. Encore une fois, vos breaks. Bon, tu vas encore une fois te faire un pedigree de ma part. Hein, en tout cas, ça c'est clair. Allez, la troisième corde, on saute, tiens, et prends-toi ça. Cette fois, tu restes là. Tu vas aller là. Le coup de genou atomique. Le pedigree, tu vas rester ici, ok. Maintenant, tu restes là. Et le pedigree. Allez, tiens, voilà, merci, ciao bonne. Allez, le tomber, vas-y. Vas-y, le tomber, vas-y, attends pas. Allez, l'arbitre. Un, deux... Et 3, non, c'était 3, putain. Bon, Morrison, t'as pas de chance, hein, tu vas encore morfler, hein, tu vas être blessé bientôt, hein. Tiens. Tiens, le coup de genou atomique. Tiens, tu vas venir là. Et le pedigree. Encore une fois le pedigree, voilà, merci. Tiens, reste par terre. Et maintenant, on tombe. Allez. Cette fois, on passe souper. 1, 2 et 3. Voilà, ciao, bonne, merci. On a gagné ce match. Bon, Triple H, John Cena triomphe. On a triomphé ce match, évidemment. On a gagné. Grand sommet pour ici. Arrête de me piquer mes répliques. Vraiment, malgré l'alliance Morrison-Miz, The World Champion, pas ces World Champion, réfléchis peut-être deux fois avant d'insulter quelqu'un. Évidemment, ça c'est sûr, enfin j'en doute. Bonne soirée. Alors on va aller au... je pense à SmackDown. Oh, j'avais dit SmackDown, mais on est à Monday Night Raw, d'accord. On retourne à Monday Night Raw. Alors, merci de nous rejoindre à Monday Night Raw. Michael Cole et The Collie, The King Raw et Big Red Monster nous attend. Lors du Battle Royale entre recul de deux semaines, Kane a focalisé sur Cena. Ce soir, il affronte un logique dans le Kane et c'est qui tape le hasard. Sur le Big Red Monster, ok, d'accord. Alors, sur un coup de téléphone qui nous appelle. Tu m'as invité la semaine dernière pour jouer avec la ECW John Cena. Je n'aime pas t'attendre. Ce soir, je vais t'avoir. Il n'y aura pas de disqualification. Je vais m'amuser quand l'attente a valé la peine. Ok, bon. Il y a un match sans disqualification, d'accord. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour énerver Kane, mais ce n'est pas le type avec lequel on peut discuter. Si je le balance dans le table Lico, Alico, table Lico, d'accord, il se calme peut-être. Table des commentateurs, peut-être, je pense. Bon, on doit passer une table à Kane, la table des commentateurs, je pense. Hop, viens voir par là, Big Red Monster Kane. Allez, ok. On va prendre un objet. Ok, viens voir par là. Bon, on va courir un peu parce que on n'a pas le temps. Tiens. Et on va par là. On va le ramener. Tiens, voilà, boum. Oh putain, non. On n'arrivera pas à faire l'objectif. Je pense pas qu'on arrivera. Putain, Jericho, casse-toi. Allez, bien. Et voilà.
I was the first undisputed WWE champion, so it's clearly my destiny. Non, c'est foutu, on a loupé. C'est pas grave, on a loupé. On a loupé notre coup. Putain, Jericho, tu fais chier là. Allez, hop, voilà. Tiens, casse-toi. C'est mis. Allez, non, d'un fond, chacal. Voilà, boum. Merci. Hop, voilà. Le FU. Voilà, le FU. Et on va faire le tombé direct. Le tombé direct. Allez, le tombé direct. Allez, 1, 2 et 3. Voilà, on a gagné ce match. Merci, ciao, bonne. Et voilà, on a gagné ce match avec Monsieur John Cena. Le bon Highway Champ pourrait rien, Michael, gagner le titre au week-end au Royal Rumble. Bonne soirée. Ah oui, on doit. Ah bon, on va aller à SmackDown maintenant. Puis après, on va aller au Royal Rumble, puis on aura terminé quoi. Allez. Et voilà, nous sommes à SmackDown. Eh oui, ça fait un petit moment qu'on n'était plus à SmackDown, mais bon. Alors, bienvenue. On est à SmackDown. Avant de Royal Rumble, Verti de Superstar veulent tout gagner match Royal Rumble. Mais on cède, pourrait tenter de titre contre Triple H au Rumble. Les trois meilleurs candidats affrontent Triple H ce soir. Dangereux, d'accord. Oh putain, d'accord. Bon, on a un coup de téléphone Triple H. Triple H, le match de ce soir est un peu différent. Tu dois affronter MVP Jeff Hardy et Undertaker dans un match handicap 3 contre 1. Si l'un d'eux gagne, il t'affronte pour le WWE Champion à Royal Rumble. Si tu gagnes, tu choisis ton adversaire, amuse-toi bien. Oh putain. Merci. Merci Vicky Guerre. Oh, oh non, on a un match triple menace, ok. Gagner ce soir me donne un gros avantage psychologique pour le Rumble. Il est temps de montrer pourquoi on m'appelle le cérébral assassin. Oh là là, bon d'accord, ok. Ça va être un match assez long. Oh putain, ils sont les trois contre moi comme ça. Oh, on va en chier. En plus, il y a l'Undertaker, on n'a pas de chance. Tiens. Couche-nous atomique, ça va être beaucoup être ça, couche-nous atomique, non, c'est pas l'arbitre, je veux, couche-nous atomique, bon, si on sort du ring, ça fait quoi? On va faire ça, on va aller dehors, comme ça, hop, merci, non, c'est pas ce que je voulais, dégage, merci. Dégage. Oh non, putain. On va morfler. Tiens. Viens par là. Tiens. Merci Jeff Hardy. T'as pas de chance. Tu vas être éliminé. Il y aura un décompte à l'extérieur. C'est la seule solution que je peux faire. Si je veux les battre, c'est décompte à l'extérieur, malheureusement. Hop, voilà, merci. Tiens, DDT. Hop, merci. 6. Hop, le brise-nuque. Tiens, encore une fois. Allez, ten. Voilà, on a gagné ce match facilement en trichant, par des comptes à l'extérieur. Merci, Chambon. C'était la seule solution, battre ses trois plus grands adversaires en même temps. Elle repose longtemps, Jerreur. Il allait au Royal Rumble en toute confiance. Ouais. Demande quel adversaire il choisira dimanche. Ses préférences pour d'importance. En retard, Royal Rumble, bonne soirée. J'avais pas le choix les gars, j'avais que le choix pour le décompte à l'extérieur. Heureusement qu'ils sont pas venus les trois en bas, j'ai eu de la chance. Hein. Et voilà, nous sommes au Royal Rumble, Calgary, Alberta, Canada, nous sommes au Calgary. Nous voici au Royal Rumble,
Je suis John, c'est Taz, on est à Calgary. En Canada pour l'un de vos événements phares de la WWE. Ça va être un sacré soirée, Jer. Triple H et John Cena vont mettre leur titre en jeu. Et ouais, et puis bien entendu, il y a le match Rumble. Le Royal Rumble. Qui va gagner Royal Rumble? N'oublions pas les enjeux de ce match. Approche à WrestleMania. Et oui, WrestleMania approche. On est champion et affronte pour le titre de champion of champions. Et oui. Bon, alors, on va aller faire les deux matchs là avec Triple H et John Cena. Donc, choisis votre adversaire pour le match de champion WWE. On va prendre Jeff Hardy, puisque c'est grâce à lui qu'on l'a battu. Bon, voilà, on est dans ce match contre Jeff Hardy. Ouais, bien sûr, s'il commence à esquiver comme ça, ça va mal aller déjà. Tiens, allez hop, on est contre Jeff Hardy, un de vos préférés, en tout cas, apparemment. En France, en tout cas, vous êtes content qu'il est de retour à la WWE. Alors, voilà. Alors, le DT, évidemment, le DT, quoi, le DT, DLT, bon, alors arrêtons de dire des conneries. Bon, allez, tiens, le coup de genou atomique, allez hop, on le relève, tiens, et le sous-passement. Ça va aller assez vite, hein. Ça va aller assez vite s'il esquive pas. Non, il esquive sans forêt. Il esquive. Non, mais je veux pas sortir à chaque fois. Allez hop, on fait ça. Voilà, John Cena aussi. John Cena, il fait aussi ça beaucoup. Hop, j'espère qu'il nous esquive pas. Encore une fois, mais c'est bon là. T'arrêtes de nous esquiver. Ah putain. Hop. Allez, tiens. Ouf. Allez, on le relève. Merci pour le coup de genou atomique. J'ai dit le coup de genou atomique. Et le pedigree. Le pedigree en position. Pedigree en préparation. Le pedigree. Allez, on ramène au ring. Elle est tombée direct. On n'attend pas. Allez, 1, 2 et 3. On a gagné ce match assez rapidement. Et le prochain match, ça va être avec John Cena, je pense. Bon, on reçoit un coup de téléphone de John Cena. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai toujours de l'or sur la ceinture. On verra si tu pourras dire la même chose à la fin de cette soirée. Ok, bon, alors Triple H qui est en train de l'arnaquer, en gros. Bon, voilà, John Cena contre Jericho, de nouveau, la revanche, en gros. On va reprendre cette revanche. Voilà, comme ça, hop. On fait le DT directement. Parfaitement exécuté. Oubliez pas que j'ai toujours les deux superstars ensemble. Qui est John Cena. Aïe, hey. Oh, il esquive cet enfoiré. Tiens. Ouh, le coup de la corde à linge. La raliat, comme on dit. Allez. Tiens, le coup de bélier. Hop, on le reprend. Allez, on le m'amène. Tac, et le. Bien joué, ça. Bien joué. Allez, hop, on le reprend. Non, j'ai dit on reprend, merci. Allez, une surpassement arrière. Oh, joli, ça, parfaitement exécuté. Hop. Et on lui prend une jolie. Ça, c'est sa prise. Je sais plus comment ça s'appelle. Cette prise-là. Bon, pourquoi tu te fais la position du You Can See Me? Tiens, le coup de bélier. Hop. On le ramène. Hop, tiens. Hop, on fait le surpassement. On va le ramener au coin. On va le ramener au coin, évidemment. Hop. Et tiens. Tiens, coup de genou. Coup de genou. Tiens, le chausse chassé. Allez, on va le projeter. Et le coup de bélier. Merde, je voulais faire la prise spéciale. On va essayer de faire le plus rapidement possible aussi. Allez hop. Non, merde. Il esquive. Tiens. Ah non, c'est bon, arrête d'esquiver, c'est bon. Tu veux pas faire comme Jeff Hardy là? Oh putain. Évidemment, il fait comme Jeff Hardy. Tiens, tu vas rester par terre maintenant. Allez, voilà, le You Can See Me.
You can see me. I know nothing, nothing. J'arrive jamais à le dire, ça m'énerve. Et le FU. Le FU, elle did not jump. Voilà. Et le FU. Tiens, voilà. Hop, le tombé, on n'attend pas. Allez, 1, 2 et 3. Voilà, on a gagné ce match rapidement comme Triple H. Et voilà, John Cena sans nom, obstacle sur le nouveau Heavyweight Champion. Jericho a fait son possible. Cena est dans la forme olympique. Et ouais, Superstar triomphe en trim des autres 29 autres. Le match Royal Rumble arrive. Et ouais. Wow, Big Show a dominé ce Royal Rumble. Le taille ne suffit pour vaincre 29 adversaires. Ouf. Ou le Chokeslam, d'accord. On appelle son talent pour... Tiens, ok, oulala, il les a démontés tous, hein. Le public avec son show. Taz et ses mots résumés tous les soirées. Ok, d'accord, bon. Bon, alors on est à SmackDown, on arrive à SmackDown directement, d'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bienvenue à SmackDown et Vancouver, Columbia Britannique. Oula, Jim, 5 jours au du Rumble. C'est une super soirée pour SmackDown. Triple H conserve la WWE Champion. Et Big Show, champion de SmackDown, élimine les 29 types pour gagner le Rumble. Et ouais, quel sera le sort des deux superstars? On le saura ce soir. Et ouais, on sera ce soir. Et vous le serez, pas ce soir, pas ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. La suite, au prochain numéro.